Mais on vous suit. C'est un laboratoire, ça permet d'expérimenter ce qu'on va faire dans d'autres quartiers, ça permet de continuer à travailler avec les familles, de les faire sortir de leur quotidien, de proposer des activités sportives, des activités culturelles, et c'est surtout une porte d'entrée pour pas mal de gamins du quartier. Donc nous avons par exemple choisi de travailler plus particulièrement sur les carrières sanitaires et sociales, sur les actions linguistiques, c'est 50 femmes. Sur les métiers du sanitaire et social, on a accueilli beaucoup de femmes parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation et d'information sur ces métiers pour les faire connaître et avoir plus de personnes qui se positionnent, qui osent se positionner parce que souvent les personnes manquent de confiance en elles et pensent que ce sont des carrières qui ne sont pas pour elles. Notre action, c'est vraiment aller vers donner leur autonomie aux femmes. Et l'autonomie passe par l'emploi, la formation. Et nous les aidons à enlever les freins. Et on accueille 90 jeunes, 40 mixtes, autant de filles que de garçons. Juste vous dire merci pour cet exercice un peu cadré, un peu rapide, mais ça me permet de juste, avec quelques clichés photographiques, d'imaginer ce que vous faites, parce que je n'irai pas plus loin que d'imaginer, de voir un peu ce travail. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir la prétention de dire je viens à connaître ce quartier. Donc, je viens simplement un peu juste prendre une température une première fois, voir les lieux. Déjà, c'est important, parce que je les connaissais sur des plans, sur des notes. Et puis venir sentir un petit peu les acteurs. C'est une prise de contact. Ça ne va pas au-delà. Après, il faut du temps pour comprendre les sujets, du temps pour apprendre à connaître les acteurs. Et il faut du temps pour aussi pouvoir savoir en quoi on peut agir ici. Merci. C'est une décision heureuse parce que ça apporte des moyens complémentaires. Ça, on ne supprime pas quelque chose à quelqu'un pour le remettre, on va amener du plus. Ce plus, c'est quoi? C'est amener une continuité entre l'école, au moment où on apprend, et le moment où un jour, de la maternelle au lycée et un petit peu après, on va sortir pour être un adulte qui a des atouts pour s'intégrer dans la société de demain. Bonjour, salut.